It's an urgent effort to boost Europe's economy and spark job creation. After a battle over how to fund it, the 315 billion euro investment blueprint dubbed the Juncker Plan is on its way. So what could that mean for the average European? Hello and welcome to People First, the EPP Group's monthly program on issues with impact on people like you. Joining us to answer some of your questions is José Manuel Fernández. You're a member of the Budget Committee here in the European Parliament and a member of the EPP Group. Monsieur Fernandez, le Parlement vient d'approuver le plan Juncker. Quand est-ce qu'on va voir l'argent qui commence à bouger à cause de ce plan? En octobre, je pense que tout sera clôturé. On a le conseil de direction, le steering board, ou le comité de pilotage, comme on veut, qui va avoir trois personnes de la Commission et une personne de la Banque européenne d'investissement. Parce qu'ils jouent un très grand rôle là-dedans. Un rôle très important. On a aussi le comité d'investissement. En octobre, tout sera prêt pour utiliser le fonds. Bon, regardons un peu plus près à ce plan qui s'appelle formellement le Fonds européen d'investissement stratégique, ou le FEIS. Et comment le Parlement européen a pu garantir les fonds pour cela? The idea is a simple one. Use a few billion euros in EU funding to stimulate hundreds of billions in private investment in infrastructure projects to jumpstart job creation. Named after European Commission President Jean-Claude Juncker, the plan is to start up in earnest in late summer. This after a months-long budget battle where the European Commission sought to shift billions from the R&D-heavy Horizon 2020 program to the Juncker plan. In a compromise, that funding shift will be scaled back, while unused funding from other programs is to be diverted back to Horizon 2020 to fill the gap. The Juncker Plan is aimed at regenerating private investment hit hard by the financial crisis. It targets key areas like infrastructure, education, health, computer technology, research, and innovation. It provides backing for higher risk finance for small businesses with profitable ideas. Renewable energy and energy efficiency are also important targets. The EU is to provide 21 billion euros in initial funding, which the EU's European Investment Bank is to leverage into at least 315 billion euros in total investment by attracting private sector involvement. Now the test, to see if it really works and creates the jobs Europe so urgently needs. Donc, ça a pris toute la nuit pour ce compromis, d'arriver à ce compromis d'avoir des fonds pour le plan Juncker et aussi pour Horizon 2020. Oui, la réunion a commencé le mercredi à 7h30. Elle a terminé le jeudi matin à 8h. On a réussi à réduire l'impact sur Horizon 2020 et sur Connecting Europe Facility en 1 milliard d'euros. Mais cela va continuer parce qu'en chaque procédure budgétaire, on va remettre l'argent dans Horizon 2020 et Connecting Europe Facility. Écoutons notre première question qui s'agit des banques, en fait, quelqu'un qui travaille dans les banques. Hi, my name is Gitas, I'm from Lithuania. I work in a national bank in Lithuania and I want to know a little bit more about Juncker Plan. Donc, comment les banques vont-elles participer dans ce projet? Les banques, elles peuvent utiliser la garantie. Les banques, elles peuvent participer dans des plateformes d'investissement. Les banques vont avoir aussi un rôle important pour les 75 milliards qui sont pour les entreprises et notamment pour les petites et moyennes entreprises, parce que les banques nationales, elles vont faire la présélection des projets. Et il y a un autre aspect sur ce plan, sur le plan Juncker, c'est cet effet multiplicateur. Voilà une question là-dessus. Ich bin Christa Müller, ich komme aus Erzhausen, das ist in Hessen, in Deutschland. Und ich wollte Sie fragen, wie 15 Milliarden für Investitionen zustande bringen kommen und wie viele Mitglieder Sie in welcher Zeit dafür begeistern können. Die Zeit ist ja ein ganz wichtiger Faktor, denke ich mal. Alors, beaucoup de questions là. Comment cet effet multiplicateur? Et puis, elle s'est trompée un peu de chiffres. On a 21 milliards de garanties. Voilà. 16 milliards du budget de l'Union européenne, 5 milliards de la BEI. Ça donne 21 et on a un effet multiplicateur 15. Il y a des gens qui peuvent dire c'est trop. Non. Il y a des programmes comme COSME qui ont un effet multiplicateur 28. Et, donc c'est conservateur. C'est conservateur, l'effet multiplicateur
2015. Et avec cette garantie de 21 milliards, on peut apporter un investissement de 315 milliards. Et puis son autre question, combien d'emplois que ça va créer? L'Organisation internationale du travail a prévu plus de 2 millions d'emplois. Avec ce plan, on va avoir de la croissance. Alors, on parle de secteurs que ça va aider, en infrastructure, etc. Mais question de région, voilà une question là-dessus. Hi, I'm Miloš Šedo, I'm from Slovakia, and I have only one simple question. What will that money do for Slovakia? Bon, alors on sait bien qu'il y a des régions en Slovaquie qui ont vraiment besoin d'investissement. Et comment encourager le secteur privé à investir dans des endroits comme ça? On peut faire des plateformes. Et les régions, elles peuvent dans ces plateformes avoir des projets où on utilise les fonds structurels, mais aussi ce fonds pour des investissements qu'on appelle le plan Juncker. Ils peuvent avoir ici une complémentarité entre fonds structurels et ce fonds pour investissement stratégique. Et voilà, il y a aussi quelqu'un qui se demande au sujet du développement régional dans un pays ancien en Union européenne. Bonjour, je m'appelle Christian, je viens de Savoie. Donc je voudrais savoir comment le plan Juncker peut aider ma région. L'Haute Savoie, c'est connu pour les machines-outils et un centre de particules physiques. Donc, dans ce sens, comment est-ce que le plan Juncker pourrait aider une région comme cela? Le plan Juncker est très ouvert. La recherche, il appuie, c'est un des objectifs aussi, mais il a l'objectif d'aider les entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises. Les start-up, par exemple. Par exemple, ouais. Où on a 75 milliards d'euros pour cet objectif. Cela veut dire qu'il peut aider à financer des projets avec un risque, par exemple, plus élevé, à financer ce que le marché ne réussit pas à financer ce que les fonds actuels ne financent pas. Et c'est une opportunité pour les entreprises et notamment pour les petites et moyennes entreprises. Et puis aussi, le plan Juncker veut cibler aussi le chômage de la jeunesse qui est assez élevé. Voilà une question d'un étudiant assez ambitieux. Hallo, ich bin Paula, ich komme aus Deutschland und ich möchte gerne Medizin studieren und dazu habe ich eine Frage, wie der Juncker-Plan im medizinisch-technischen Bereich weiterhelfen kann. Comment est-ce que ce plan Juncker peut aider à former, à préparer ces étudiants et puis ensuite à créer des emplois ou aider à créer ces emplois pour ces jeunes? Elle peut aider sur la recherche, sur l'innovation. Elle peut aider en appuyant les entreprises qui peuvent aller jusqu'aux 3000 employés. Elle peut aider les petites et moyennes entreprises. Les banques nationales font la présélection des projets et après, les organes de ce plan Juncker font la sélection et attribuent l'investissement. Et puis, une dernière question que moi je voudrais poser, c'est que combien de réformes avons-nous besoin pour garantir, pour assurer que ce plan Juncker aura un succès? C'est très important de diminuer la bureaucratie. C'est très important d'approfondir le marché intérieur. C'est très important, par exemple, pour l'union énergétique, où on peut avoir une plateforme pour l'énergie, de revoir les règles qui empêchent cela. Les réformes qui réduisent la bureaucratie, qui donnent de la simplicité, qui donnent de l'harmonisation, sont très importantes pour le succès de ce plan. Merci, José Manuel Fernández, d'avoir répondu à nos questions. That's it for now on People First. Find out more about the activities of the largest political force in Parliament by checking eppgroup.eu. Until next time, thanks for watching.